atelier. Voilà, tout à fait dans mon atelier que j'occupe depuis bientôt 18 ans. On est sur le port, on est à deux pas de Tara. En fait, tu fais le dessin à bord de Tara, tu vois. Et puis après, arrivé à terre, par contre, déjà sur le bateau, je commençais à poser les couleurs. Mais bon, tout simplement, on met dans un coin et dessine. Hein. Ça prend une matinée pour faire un dessin. Hein. Tara, c'est un bateau qui est graphique. Il est compliqué surtout. Il est compliqué. Les superstructures sont très très compliquées à faire. Tu vois, à Toulon, j'ai fait ce dessin rapide, ce croquis rapide sur les genoux. Et en même temps, j'ai pris les photos pour faire le tableau qui est là-bas. Toujours des hésitations. Comment je vais faire ça? Comment je vais aborder, tu vois? Pourquoi il y a des parties qui sont peintes? Pourquoi il y en a qui ne sont pas peintes? Là, il va y avoir Tara. Je ne sais pas comment je vais peindre Tara. Je ne sais pas si je vais le dessiner, ni... Je ne sais pas si je vais mettre du dessin. Si je vais faire ça à l'acre de Chine, si je vais faire... Ça vient petit à petit. Le plaisir de dessiner des bateaux. Dans le monde entier, en plus, j'aime bien voyager. À chaque fois que je peux aller dans des lieux, c'est surtout la mer, c'est surtout les ports. Et ça faisait sens, du coup, d'arriver sur Tara, comme ça, d'embarquer sur ce bateau, tu le connaissais? Oui, j'en avais beaucoup entendu parler. Les premiers jours étaient rudes, parce qu'il faisait très très chaud. Il n'y avait pas eu de vent, beaucoup de mer. Donc après, au bout de 4-5 jours, ça s'est apaisé. Donc après, j'ai dessiné à bord, j'ai pris des photos de l'équipage, des scientifiques. Puis j'ai dessiné, et puis c'était passionnant, quoi. C'était bien, l'ambiance, tout ça, quoi.